Bonjour, bienvenue dans votre émission Style Jari sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmier et c'est parti. Monsieur le fashionista, le prince du style nigérian, Denola Adeputin est né à Lagos. Il est originaire de l'État d'Ondo au Nigeria. Denola a eu son éducation primaire et secondaire dans les écoles Green Spring, Lagos. Il a passé un an à Oxbury Tutorial College. Il est titulaire d'un baccalauréat aux affaires médiatiques de l'université Baylor avec une spécialisation en analyse des médias et des marchés de la mode. Denola a commencé la mode à l'âge de 18 ans. En 2008, son premier emploi était en tant que stagiaire au CMC. En 2010, il a commencé à travailler pour Fashion Image Consulting en 2012. Il a travaillé pour PRC Consulting. Il a également travaillé en tant que stagiaire chez Walter Barker, en tant que superviseur des activités médiatiques de la société. En 2010, il est devenu animateur sur Ebony Lifestyle TV. Il a joué aux côtés de RMD et de Ekou Edward dans la série télévisée Castle & Castle. Il a d'abord écrit des conseils de style pour les hommes avec Bella Naija et par la suite, il a enregistré des conseils de style sur la caméra pour des segments sur Ebony Life. Il travaille avec Orange Culture et il est l'un des ambassadeurs de la marque pour LFDW. La mode est un mouvement qui permet à ses croyants de dire ce qu'ils ont besoin de dire à travers des vêtements. Lorsque vous vous consacrez à la mode, vous pourriez prétendre au titre d'artiste. La façon dont vous vous coiffez, concevez vos vêtements, décidez où acheter ou créer son propre style professionnel est une forme d'art en soi. Imaginez travailler dans la mode avec un amour pour la mode à un niveau extrême. Vous pouvez être un pur créateur de mode. Tailleur, styliste, écrivain, consultant, directeur de la mode créative, blogueur ou photographe de mode, ce sont tous des créatifs de l'industrie dignes de l'artiste principal. Denola Gray, blogueur hors pair et grand passionné de mode, a un style élégant, trépied, détaillé et sans effort. Il flirte souvent avec des looks travaillés et sophistiqués, mais également décontractés. Denola Gray n'a pas peur de prendre des risques. Alors, il expérimente une variété de regards et de détails, repoussant souvent la frontière entre ce qui est considéré comme métropolitain dans une société conservatrice comme le Nigeria. Il est très créatif en ce qui concerne son style personnel. Il aime les détails et est toujours prêt à relever des défis, d'explorer différents goûts. J'apprécie la façon dont il essaie parfois différents styles qui pourraient pousser une enveloppe ou deux, mais il le livre sans effort. Ce natif du Nigeria capture un public assez obsédé par son style, son travail ainsi que sa personnalité. Cette sélection est assez alternative, classe avec une touche de fabulosité. Il enseigne vraiment aux clients comment améliorer son jeu de style. Des smokings parfaitement ajustés, aux aguadas chics et aux pantalons funky, Denola sait comment se démarquer de la foule en toute occasion. Amateur de nœuds papillons et de détails fantaisistes et d'accessoires, vous le verrez toujours avec des cheveux parfaitement tendus, avec sa partie latérale signature. Lors des Africa Magic Viewer Choice Awards en juillet 2018, les étoiles ont livré une quantité incroyable de massacres, comme toujours. Cela nous a donné une chance de connaître certaines personnalités qui nous ont époustouflés par leur sens du style. Il était définitivement en tête de notre liste des mieux habillés en regardant son ensemble. Je pense que vous pouvez facilement comprendre pourquoi. Son choix de vêtements était audacieux et adapté à sa personnalité élégante. L'homme avait l'air pimpant et ses semblables louaient non seulement son sens du style, mais aussi sa peau. Pendant la semaine de la mode à Lagos, Denola Gray a littéralement changé le look masculin classique en y insufflant un peu de créativité. Il porte un ensemble costume gris, une chemise blanche, col fâché, déboutonné en dessous pour laisser entrevoir ses colliers. Il sublime sa tenue avec cette espèce de ceinture faite de foulard noir à la taille, un vrai fashionista dans l'âme qui revisite les codes de la mode masculine. Denola fait un clin d'œil à ses origines quand il porte une tenue traditionnelle et donne un look sans effort tout en exposant fièrement sa culture et d'où il vient.
Il a une façon de faire revivre l'histoire de la mode et il le fait de manière vraiment subtile, en éclaircissant votre pensée avec ses costumes et ses pantalons propres à la mémoire des années 50 avec une pose de tueur à regarder. Denola va plus loin encore avec la façon dont il stylise ses chemises en montrant un petit bout de son torse en le déboutonnant un peu plus bas. Quand il s'agit d'accessoires, il ne joue jamais en sécurité ou ne doute pas d'aller plus loin. C'était tout pour aujourd'hui sur Style Diary. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Channel.